Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu besoin d'un accompagnement musical pour une chanson, mais vous n'aviez que la version avec les voix du chanteur? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer la voix d'une chanson pour obtenir l'accompagnement. Premier outil, Phonic Mind. Phonic Mind est un outil en ligne avec une interface en anglais. Chaque semaine, vous avez droit à une utilisation gratuite pour supprimer la voix en ligne. Cliquez sur le bouton Start. Choisissez ou glissez votre chanson. L'analyse de la chanson peut prendre quelques minutes. Une fois terminée, vous obtiendrez 4 pistes audio, voix, batterie, basse et le reste des instruments. Il suffit de régler le volume des voix au minimum pour obtenir l'accompagnement sans voix. On entend encore légèrement la voix, mais le résultat est tout de même acceptable. Deuxième outil, HitPow Video Converter. Le deuxième outil est HitPow Video Converter, qui dispose d'une interface en français. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description ci-dessous. Maintenant, vous pouvez encore profiter des offres du Black Friday. Bien que sa fonction principale soit de convertir les formats vidéo et audio, il est en réalité un ensemble d'outils puissants avec de nombreuses fonctionnalités pratiques pour la vidéo et l'audio. Dans la section finale, la boîte à outils, vous trouverez la fonction de séparation des voix. Cliquez, importez votre chanson, et après quelques instants, vous obtiendrez le résultat. Le rendu est quasiment sans résidu vocal, ce qui est vraiment excellent. Sélectionnez le chemin d'exportation dans le coin inférieur droit, puis cliquez sur Exporter pour enregistrer la piste de l'accompagnement localement sur votre ordinateur. Troisième outil, Vocal Remover. Le troisième outil est Vocal Remover, un autre outil en ligne similaire au premier. Tout d'abord, importez la chanson, puis attendez 5 à 10 minutes pour la détection des voix, en fonction de votre position dans la file d'attente. Ensuite, entrez votre adresse email pour télécharger les pistes audio. Nous avons 6 pistes et la deuxième est celle de l'accompagnement musical. Le résultat est également très bon. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Votre soutien est très important pour moi. À la prochaine.